Marilyn Jonca est bienvenue au Chill Room Zoufès. Je suis contente de vous voir. J'avais envie de me relaxer un peu avec vous dans le chill room. Bon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une petite dégustation de vin. Pas vrai. Ben oui. J'avais pas vu ça venir. On l'a pas vu venir en tout. Mais juste avant, on va aller voir une section où vous allez nous parler de vos douteuses manies alimentaires. Donc, on y va immédiatement. Comme dans toute bonne dégustation de vin, que ce soit du cheap ou que ce soit de la très grande qualité, on va commencer par un petit vin blanc qui a été pris dans la première étage du bas, du dépanneur du coin. Un litre, 12% d'alcool. Ouais. Moi, ça me parle, ça. Ça sent déjà l'ulcère, hein? Ça sent la pierre au rein, mes amis. Ça sent la litière de chat. Ça sent la litière de chat. Ouais. Hey, non, mais ça sent la mauvaise haleine. Tu sais, un rat Quelqu'un qui a un rat mort qui est descendu dans sa gorge. Hey, cet été, les filles, vous allez nous proposer, pendant le cadre du ZooFest, un 5 à 7 à votre image, oui. Bien sûr, oui. Où plusieurs humoristes vont se présenter sur scène. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la dynamique qu'on va avoir sur scène, justement? Nous, on tripe sur les 5 à 7. Puis, le ZooFest nous ont approché pour dire « ça vous tenterait-tu de faire un 5 à 7? » Mais vraiment à 5 heures. C'est la première fois que dans le ZooFest, il y a des shows qui commencent à 5 heures, puis c'est nous autres qui font ça cette année, on est bien contents. Fait que là, ça va être de sortir le monde de le bureau avant. Hein, partez à 4 pour arriver à 5. Fait que dans le fond, on va être les deux. On va parler de 5 à 7, de comment on tripe. Ouais. Nous autres, c'est 5 à 7, on exagère. Tout on se sent vivre dans 5 à 7. C'est ça notre vie. Tout un 5 à 7, c'est notre mode de vie. C'est mais 5 à 7 finit-il réellement à 7 heures? Ben non! 5 à 7 qui finit à 7 heures, c'est pas un 5 à 7. Ben non, c'est un 5 à... 5 à retourne à ta vie plate. Je sais pas, c'est ça. Après le vin blanc, bon, on évoque le vin rouge. Ah, il y a un joint entre les deux, non? Ouais, non, mais moi, le rosé, le rosé ne fait pas partie d'un 5 à 7. Je pensais qu'on allait se rouler un gros chou. Allez, je fume une petite pote de chou, mais bon, regarde, à chacun sa dégustation. Le de noiret. Ouais, qui est légèrement plus fruité. La robe est très claire. Ça, c'est à goût de l'eau, là. Ça, c'est un see-through. La robe est see-through. Ça, c'est un fuzzy de brossard, ça. Ça, c'est pas de classe, ça. On s'habille mal puis on a l'air de des salopes. Ça, ça goûte le tour de bras d'un fumeur de plusieurs années. Ah oui, bon, j'ai jamais senti le sale d'un fumeur de plusieurs années. Je sais pas, peut-être que t'as des expériences amoureuses un peu douteuses.